Salut Dougie, alias Salut. Julien, on t'appelle Dougie comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ouais, la plupart du temps, tout le monde t'appelle Dougie. La plupart du temps, sauf mes amis d'enfance, on va dire. D'accord, ouais, parce que c'est tout récent. Bon, c'est pas si récent que ça, ça une dizaine d'années, on va dire. D'accord, ok, tu as 29 ans. Oui. Ça fait 7 ans maintenant que tu fais basculer ton avenir. Mm-hmm. Avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais animateur culturel, donc je travaillais dans ma ville. Saint-Jean-d'Illac, donc où nous sommes actuellement, dans le centre de jeunes de Saint-Jean-d'Illac, où j'étais animateur, voilà, pour les, on va dire, les adolescents de 12 à 25 ans. J'étais aussi médiateur de la ville. Mm-hmm. Donc pas qu'un simple animateur. Non, j'essayais de faire pas mal de trucs. J'avais d'ailleurs une radio avec les jeunes à l'époque, et on interviewait des artistes sur des festivals aussi, comme on est en train de faire maintenant. Cool. Est-ce que tu voudrais changer quelque chose par rapport à ce qui s'est passé depuis 7 ans? Non, franchement... je pense que j'ai fait les bons choix. Il y a des moments où je me suis posé la question si j'aurais pas dû rester en Australie, parce qu'en Australie tout était plus simple pour moi, mais je me suis donné des challenges à revenir en France, parce que c'était quand même j'avais envie de faire de la musique dans mon pays et de partager ce que j'ai pu créer là-bas ici. Donc ça a pris des années avant d'arriver à disons atteindre plus ou moins ce qu'on a atteint en Australie assez rapidement. Mm-hmm. Mais cette année, 2 ans en Australie, hein, t'as tout éclaté. Ouais, mais cette année, ça, on commence à arriver aussi à faire des belles choses en France. Donc autant sur mon plan personnel en tant que chanteur que sur le plan organisationnel avec les soirées que j'ai créées là-bas. Mm-hmm. Donc, voilà. Parce que t'as gardé des liens, bien sûr. Ouais, et enfin on se développe cette année. Alors bah, tu es né à Bordeaux, hein, tu es un enfant du pays. Qu'est-ce qui t'a décidé du coup à partir d'abord en Australie et à revenir ensuite? Partir, on va dire que c'est... j'en avais marre, j'en pouvais plus en fait du système, on va dire, dans lequel on vit, où j'arrivais pas du tout à mettre les projets que j'avais dans ma tête en vie. Enfin, j'y arrivais, hein, mais c'était très dur. Donc à l'époque où tu étais animateur, tu avais ces projets-là de chanter, voilà. Déjà? Non, pas chanter, mais des projets en général mm-hmm. dans mon métier. On a réussi à mettre en place avec mon centre dans lequel je travaillais, ouais. Mais c'était à grands coups de rame et en fait ça m'a épuisé et ouais. Au bout d'un moment ça m'a saoulé. J'ai décidé de partir pour voyager et pour surtout pour pouvoir souffler, quoi. Mm-hmm. Et pour prendre du temps pour moi, voir d'autres choses aussi, voilà. Bien sûr, te nourrir de l'expérience extérieure, ouais. Et revenir alors. Et revenir, je suis revenu la première année, alors je suis revenu pour ma famille, notamment pour ma mère qui voulait absolument que je revienne. Et du coup je suis revenu la première année 3 mois, je suis reparti. En 2014 donc. Exactement, et je suis rentré après, voilà, fin 2014, la deuxième année en Australie. Ouais. Et après je suis rentré dans une école de musique à Bordeaux. Au Siam. Exactement, ouais. Où j'ai appris la musique, parce que moi j'ai appris la musique tout seul. Avant ça, mm-hmm. Voilà, autodidacte. Autodidacte, et là ça m'a permis de me donner quelques bases. Et puis ça m'a bien aidé au niveau du chant. Donc, du coup, tu t'es épanoui et pour l'instant, tu n'es pas décidé à repartir alors. Et bien là, depuis 4 ans, je repartais tous les ans. Ouais. Je refaisais 6 mois en France, 6 mois en Australie, Nouvelle-Calédonie, fait le Pacifique, mm-hmm. Mais notamment l'Australie, notamment pour les soirées reggae qu'on fait là-bas, qui me, ouais, permettent de vivre de la musique en Australie depuis longtemps. Mm-hmm. Et voilà. On va en parler des soirées de Byron Bay. On en parlera après, ouais. Mais là, maintenant, je reste cette année, si c'est vrai, je reste cette année parce que je veux faire un album. Donc je me donne les moyens de faire un album en restant ici un peu plus longtemps. Eh oui, t'épanouir ici en France. Voilà. Il n'y a pas de raison, parce qu'il y a des bonnes maisons de disques aussi. Ouais. Moi, je suis toujours indépendant. J'ai toujours été indépendant. J'ai une boîte de booking maintenant, de production qui me suit. Mm-hmm. Ça s'appelle Unison, avec qui je viens de rentrer. Ouais. Qui me donne des bons espoirs, parce que voilà, je pense que c'est des gens sérieux. Mm-hmm. Mais voilà, moi, je suis indépendant depuis le début. Et j'aime ma liberté aussi. C'est ce que tu cherchais aussi, quelque ouais, part. C'est quelque chose qui est... Pour moi, c'était la chose la plus précieuse dans ma vie jusqu'à présent, la liberté. Et ça m'a permis de bouger, d'aller dans plein de pays et de jouer dans plein de pays malgré le fait que pas grand monde me connaisse. Mais en tout cas, moi, j'ai joué partout. Mmh. Tu t'es trouvé en Australie, tu t'es épanoui là-bas et maintenant, tu viens
tu viens un petit peu diffuser toutes tes bonnes vibes ici en France et c'est tout un honneur pour nous, bien sûr. On va reparler de l'Australie. Donc, tu as passé 2 ans là-bas. Ta carrière en fut propulsée grâce à tout ce que tu as, tes ambitions et la personnalité que tu as. Est-ce que tu penses que c'est le pays des opportunités, l'Australie ? Alors, pour moi, c'était le rêve américain, c'était en Australie. Hein. Parce que moi, je suis arrivé avec rien, j'ai tout créé, quoi. Mm-hmm. Juste les gens qui ont envie là-bas, on leur donne la chance et on te demande pas si t'as de l'expérience, si t'as quoi. On te dit, essaye, si ça marche, on t'embauche. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui s'est passé avec les soirées réglées qu'on a créées. Mm-hmm. Ça s'est passé comme ça. Je suis allé dans un bar, j'ai dit, je veux jouer. Le gars m'a dit, ok, tu joues lundi. Il m'a même pas demandé ce que je faisais. Excellent. Il m'a même pas demandé si j'avais du matériel. Rien. Il m'a juste dit, tu joues lundi. Si tu ramènes du monde, on te paye tous les lundis. Tu joues tous les lundis. Et c'est parti comme ça. Donc, c'est vraiment un pays qui offre la chance, quoi. Ouais, donc, grâce à cette chance-là, tu as créé le Boom Kaya. Et c'est là où on va parler de Baptiste et de Oren Selecta qui est là avec nous. Mm-hmm. Comment vous avez eu cette idée-là du Boom Kaya? If you can come with him. To talk about that. Ben justement, Boom Kaya, c'est exactement ce que je viens de dire. Je suis allé dans un bar parce que je jouais avec plusieurs DJ, notamment Little Lion Sound à l'époque, mm-hmm. et le Sativa Sound. On fait un big up. Voilà, donc big up les gars. et d'ailleurs, on va faire venir Little Lion bientôt, mais bref, c'est une autre histoire. Ça, c'est une exclue, on en reparlera. Ouais. Voilà, et du coup, en gros... T'as rencontré Oren. Oren, on était dans le même auberge de jeunesse. On vit dans un camping tous les deux, d'accord. Donc on se connaissait déjà. Art Factory, Big Up Yourself. Exactement. et après, moi j'ai voulu... refaire des concerts, quoi, parce que j'avais plus de concerts d'un coup, j'avais intégré ces sound systems, avant je faisais pas de concerts. Et tu t'es senti vide. Ouais. Et du coup, je suis allé dans ce bar et ils m'ont donné l'opportunité de faire ces soirées-là. Et moi, très rapidement, au bout de la deuxième soirée, j'ai demandé à Oren s'il voulait venir DJ après mon groupe, parce que je jouais avec deux autres musiciens. Et Oren est venu en tant que DJ, puis après, c'est devenu le technicien son des soirées. Excellent. Et au final, on a développé ça un peu ensemble. Mm-hmm. Lui, c'était, toutes les mains et moi je faisais l'organisation et en fait voilà par la suite bon moi je suis resté 2 ans, j'ai organisé 100 de soirées. C'est ça, t'es devenu organisateur de soirées. Voilà, je vivais de la musique à partir de ce moment là depuis, donc ça c'était déjà en 2013. Mm-hmm. Donc en 2013 en Australie je me suis mis à vivre de la musique alors que je n'étais à peine musicien quoi, enfin je démarrais tout juste quoi, et ça nous donnait l'opportunité de jouer toutes les semaines. Et après quand je suis parti j'ai laissé l'organisation à Oren qui a développé les soirées encore plus professionnellement. Donc c'est devenu à ce moment-là les grosses soirées reggae de Byron Bay. Voilà, en fait, déjà au moment où je suis parti, c'était déjà les plus grosses soirées reggae de la ville depuis un moment. Ouais. Et on avait bougé dans un gros bar où on avait eu une très grosse soirée, la dernière que j'ai organisée, où on avait eu 600 personnes à peu près. Et après, eux, ils ont eu la résidence dans ce bar, le Buddha Bar. Et après, en fait, Oren a continué à organiser ça. Et ça a bougé par la suite dans le Beach Hotel. Et voilà. Et Baptiste, qui était avec nous au début, qui était un MC, et qu'on a intégré au crew aussi quand on était encore dans le bar d'avant, et qui a suivi Oren quand moi je suis parti. Et voilà quoi. Donc Baptiste et Oren se sont rencontrés à ce moment-là. Ils se sont rencontrés dans les soirées quand moi j'étais organisateur à l'époque. Les soirées du Boom Kaya. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a encore ces fameuses grosses soirées reggae à Byron Bay, même si tu n'es plus là et que Oren est là aussi Oui, ça existe toujours depuis... moi, je suis rentré en 2015. Et on va dire, depuis 2015, Oren organise les soirées. Exact. et voilà, so you can talk about... She's asking about the reggae night, if it's still happening today and... How it is right now, so it's still happening every Monday night. The local crew that have been taking part of it for many years are still running it. Avec les locaux, le crew local. They still play the 420 sound up late, and I still send them. Continue à jouer les dub plates de 420. Donc c'est 420 sound, c'est le crew maintenant qui organise les soirées. Still sending them my productions to play in Australia. Continue à envoyer les productions qui sont jouées en Australie. Yeah, so yeah, it's still playing under the name 420 Sound while I'm here. So it's cool.
même avec la distance, de toute façon, avec encore, Internet. Oren, il est ici en France. Ouais. Et les soirées reggae sont gérées par notre crew, voilà, qui est le crew local, et sous le nom de 420 Sound, qui est à la base le nom de Oren en tant que sound system Selecta ou Baptiste. Le 420 Sound, qu'on dit en français. Ouais, voilà. Ouais. Le 420 Sound qui commence à être très, très, très connu par notamment la jeune génération. J'en entends beaucoup parler. Ouais. Surtout en Angleterre aussi, qui a une bonne. Mais ça commence à faire son petit nom. Ouais, et puis il faut préciser aux auditeurs que vous allez jouer donc au Reggae Senska. Donc ça va être bien parce que vous allez retrouver tout le crew, plus les MC des autres crews. Ça va être big, comme on dit en anglais. Exactement. Ben là, on a aussi Tom Spirals, qui est là, qui nous vient d'Écosse. Et donc Tom, c'est un ami qui a joué avec nous en Australie. Et du coup, en fait, il nous a invité à jouer en Écosse et on l'a invité à jouer en France. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on se voit les uns les autres. Et là, Tom, il va nous rejoindre au Senska. Donc, on va faire 3 shows ensemble. On va faire demain soir Boomfire au Porge, qui existe en France, du coup. Oui, bah oui, puisque la tournée des plages. Voilà. Et ensuite, le lendemain, on va être à Mérignac au centre social Le Puzzle, tous les trois. Ouais. Et après, on joue dimanche au Senska, donc on va jouer le matin de 9h à 11h30 au camping, mais surtout sur la scène dub 17h30 19h. La scène dub, c'est 17h30 19h le dimanche 4 août. Voilà. Exactement. Alors, du coup, tu parles de Tom et tu parles de Oren Selecta. Ouais. Tu as fait toi-même des premières parties. Tu as sorti ton EP Overseas en 2014. Ouais. Mais tu as fait plein de premières parties. On va citer Yanis Duan, Natijan pour ne citer que. Est-ce que là, tu nous prépares un nouvel album? Voilà, là, c'est mon projet, c'est de rester un petit peu pour sortir les chansons que je fais, parce que j'en écris énormément et j'ai sorti en tout 12 chansons, donc c'est vraiment pas suffisant. Ouais, maintenant, il faut bûcher. Et là, je vais sortir un album Sound System. Donc d'ici la fin de l'année, si je peux, ou au début d'année, je vais bosser sur un petit projet acoustique, parce que je fais aussi pas mal d'acoustique, donc 4-5 titres, avec Nick Hero Prod, qui sont de Bordeaux aussi, et je vais aussi plus tard bosser avec mon Backwash Band, donc mon groupe officiel de France, sur un album band qui arrivera quand il sera prêt, mais c'est mon ambition de sortir en album, parce que les chansons je les ai, mais pour l'instant c'est pas sorti. Quoi. Et tu feras intervenir Tom et Oren toujours? Ben, Oren, on vient de sortir une chanson tous les deux qui s'appelle Safe Driver. Ouais, qui fait déjà pas mal de vues sur YouTube. Oh, qui a démarré sur YouTube gentiment, qu'on va représenter au Senska. Ouais, vous allez la chanter sur scène. Ouais. Et avec Tom, on a fait une chanson qui s'appelle Right Round the Globe. Mm-hmm. Ouais, c'est l'histoire. L'histoire. De comment on rencontrait, non? Ouais, de comment on s'est rencontrés. Exactement. Mm-hmm. Ouais. The story of the meeting. Yeah. Et cette chanson. And sing a little chorus of it. Yes. Parce que vous avez conduit ensemble et. Take me right round the globe and back again. Music is a trip that'll never end. C'est right on the globe and back again. Selecta a fi load up the track again. Hey. Oh. Right on the globe and back again. The music is a trip that'll never end. Well, right on the globe and back again. Selecta a fi load up the track again. Bim. Merci les gars. On vous retrouve le 4 août, donc tous ensemble, au Reggae Senska, de 17h30 à 19h sur la scène Dub Foundation. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Plaisir pour cette interview. Big up au de radio. Love and respect. Oh, boom, 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 boom.